Je pensais que tu étais venu ici pour m'emmener avec toi. Mais vous êtes. Que feras-tu en y allant? J'habite en ville aussi. Si tu restes ici, je peux venir te rencontrer. Mais mes parents vivent dans le village. Comment vais-je les rencontrer? Oui. Je les ai rencontrés. Les deux. Ils étaient très heureux et... ils allaient bien. Tu mens. Tu mens toujours. Comment mes parents peuvent-ils être heureux sans moi? J'ai des pensées très inquiètes à leur sujet, Zafri, oui. Laisse-moi les rencontrer une fois. Alors je resterai où tu veux que je vive. Laisse-moi les rencontrer une fois. Pourquoi insistes-tu pour Bano? Je t'ai dit que je les avais rencontrés. Écoutez-moi. Si tu pars d'ici, alors Maître Annie vous épousera de force. Alors tu ne pourras pas me rencontrer, ou avec oncle et tante. Tu le sais. Maître, il ne permet pas aux femmes de sa maison de rencontrer qui que ce soit. Tu restes ici. Je viendrai à ta rencontre. J'amènerai aussi mon oncle et ma tante. Je suis tellement idiot. Je pensais que tu seras heureux de me rencontrer. En le regardant, il semble que tu n'es pas content. Bien. Tu me dis ça. Est-ce que madame s'occupe de vous? Elle prend grand soin de moi. Elle a fait de moi sa petite sœur. Elle m'aime beaucoup. Et tu sais qu'elle m'a dit qu'elle m'éduquerait aussi, je suis si heureux. C'est très bien. Mais ne la dérange pas comme tu me dérangeais. Bano, tu as beaucoup de chance. Vivre dans une si grande maison. Si vous vivez dans cette maison, votre destin changera. Quoi qu'il en soit, maintenant tu as changé. Porteur de si beaux vêtements. Vous ressemblez à la madame de cette maison. Non. Je ne peux pas ressembler à madame. Savez-vous, elle est très courageuse. Elle n'a peur de personne. Si tu restes avec elle, tu seras courageux aussi. Tu n'auras peur de personne. Non, Zafri. Si j'étais si courageux et courageux, dans la peur de Maître Anis, je n'aurais pas quitté mes parents. Je parle d'eux. Chose inutile, tu t'assois. Allez, prendre du thé. Écoutez. Est-ce que je ressemble vraiment à madame? Oui,